On est tout bon? Trail, ouvre-nous la porte. Ah, faut que je fasse tout ici, c'est pas possible. Eh ouais, bah faut bien qu'il y ait quelque chose, hein, quelque part. Hein. Allez, petit tips aussi, le chat est maintenant le groupe, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent pas ce tips. Pour tout dez instantanément, enfin dez sans avoir à valider, vous faites CTRL C, clic gauche sur la pièce et vous pouvez enchaîner les dez. Pour aller plus vite, ça va, c'est un petit tips de confort qui est très agréable. Donc là, on a que le jaune qui fait, il va nous mettre une tatane là. Ah, ça arrive derrière, on switch sur le petit mob direct. Nice, on re-switch sur le petit, sur les deux bourreaux. Nice, pas de soucis, c'est y a toujours quelqu'un qui va le découvrir. C'est avec plaisir. J'ai des petits tips comme ça, tiens, vous voulez un tips de Twitch que quasiment personne n'utilise? Et c'est bien triste. Quand vous voulez faire une emote sur Twitch, appuyez, ou sur Discord, vous appuyez sur deux points et ensuite les premières lettres de l'emote. Plutôt que d'aller la chercher ou faire des codes infâmes ou autre. Il y a toujours un mec qui connaît pas cette astuce aussi, hein, pour faire les emotes plus rapidement, pour vraiment en profiter. Hein. Puis deux points et vous commencez à écrire en fait le code d'une emote auquel vous pouvez penser. Genre moi, deux points SW, ça vous fera la sword, par exemple. On peut descendre. Mais ouais, le death, regardez, hop, ouais, donc CTRL, clic, enfin CTRL C, clic gauche, boum. Ça je garde, boum. Ça change la vie. Le petit coffre. Ça doit être un peu différent de ton don. Pardon, Damien ? La quantité de bleu. Parle pour toi. C'est que moi, mais. Ouais, parle pour toi, je pense. Ah moi c'est tout vert. Ah ouais, j'ai que du vert. Hein. J'en ai trois déjà depuis le début. Bah écoute, hein, voilà, bravo. Ah bah vous êtes deg, hein. En parlant de bleu... Non, ouais, on est au 25. Tout est... Ça c'est 25, putain. Ah bah tiens, j'ai chopé une arme directement avec une... Ah elle est cool. Oh, tu l'as kiffé, frère. Bah justement, il y a une arme tank là, je viens de la choper, elle s'appelle l'entre-deux, c'est une nommée. 3,95, 9 formes, Oni dessus et la gemme d'aggro directement dessus. Hein. Mais bon, ouais, c'est celle que je voulais te passer tout à l'heure. Ah oui, et bah allez. Je lis juste le texte avant qu'on. Vas-y, prends ton temps. Elle est très belle. Hein. Ah, la musique est très très cool aussi. Ah, ça aggro, trail. Ah bah j'arrive. C'est juste un petit mob, t'inquiète, prends ton temps. Tu peux largement finir. Je reprends le texte. Okay. Vas-y. C'est juste trail. Il a mangé kebab ce soir. J'ai un gros cul, ouais. Il dépasse un peu. Ah bah je vois qu'Adar Alex est au... Et également toujours sur le donjon, sauf qu'il est déjà niveau 34. Ok, bah c'est bon. On descend. Yes. On te laisse la gros. Nous on va sur le fantôme et sur le team up de gauche. On laisse le gros lard à travailler, d'accord? Venez sur le fantôme et le team up de gauche. Nous on peut s'en occuper en tant que DPS, pas de soucis. Les distants on reste en hauteur, c'est bon, ça passe? Si tu veux, faudrait que tu descendes avant. Le fantôme qui vient sur vous. Ah, c'est ça. Ouais. Le fantôme, descendez maintenant. Ok. Le fantôme, on attend le fantôme. Tant qu'il revienne. Go le fantôme, on le burst vite. Ok, donc attaque lourde sur le gros. Oubliez pas que les attaques lourdes si possible, pour ceux qui en ont, à l'arc. Ah si, à l'arc ça marche aussi. En fait, vous attaquez comme ça, sa barre d'endurance. Vous voyez la barre jaune? Elle descend, et en fait, dès qu'il est bas, vous allez entendre un glong. Voilà, et là on burst. Comme ça, le tank peut être remonté, et ça fait un joli burst. La mana ça part vite aussi, faut que je regarde pour. Et re-sautant!
là. Oh, je suis pas méchant là, côté Ken. Après, tu fais le point d'exclamation patience. Je suis pas du tout impatient là, c'est du lead. Alors, j'ai peut-être un lead un peu sec, mais il n'a aucune once de méchanceté ou d'impatience. C'est juste ma manière habituelle de lead pour le coup. On va bien tout laisser à try là, il va avoir du monde. Faut bien que tu fasses gaffe à lui, Lou. Il va prendre très cher. Et nous, on s'occupe okay. du puits. Hein. Le puits, les gars. Venez avec moi sur le puits, hein, les DPS. Bien. N'oubliez pas. J'ai pas trop utilisé de notes de heal. Ah, bah, c'est. Ouais, je suis venu directement sur. Voilà. On finit les tisanes. Oh on finit les tisanes. Ah bon, je vais. Et ensuite, on passe sur le gros élite. Ouais, il est trop bien ce temps. Le feedback de la Claymore est une réussite totale et complète. Oh, quatrième bleu. J'en fais plus. Eh ben, reviens en arrière, banane. Oui, c'est peut-être quelqu'un. De quoi en arrière? Ah, bah, oui, le. Non, mais y'a que moi qui ai du bâton, quoi. Super. Je sais pas, Myrturza, t'es 30, tu l'as pas encore toi le bâton? J'étais en train de le faire quand on a commencé. Ah, presque. Close. Ouais, Falsa, elle était 30 pour le faire. Putain, elle est tellement bonne en TP. Ouais, j'ai pris mon temps, j'ai fait un peu de TP4 aussi, j'ai ramassé des trucs, quoi. T'as bien, ouais. Ok. Ça va, c'est pas trop chiant, t'arrives à jouer correctement ou pas Storm alors? Sur ton lit. Pareil, hein, on laisse bien les ads à trail et pendant que nous on passe sur le nid. Toujours aussi merdique que ça à taper ces trucs par contre. Hein. Pardon? C'est toujours aussi merdique à taper ces trucs de fond. Oui. Oui, ça serait bien qu'ils mettent en fait un collider qui nous bloque quoi. Ça serait pas mal parce que c'est. En vrai, à distance, c'est pas trop chiant, au cas que c'est relou. Hein. Continue. Ce fantôme, on switch. Pas besoin du tank, hein, pas de soucis. Un petit fantôme, rien du tout. Excusez-moi, je me kiffe un peu, j'adore mon skin. Je suis un peu moins fan des pompes, mais tout le reste est vraiment trop cool. Oh non, t'inquiète, Pedro. Pas respecté. Écoute, Storm, t'as bien raison. Je crois que c'est la plus belle des choses. J'adore ta. C'est très pragmatique, j'aime beaucoup. Pareil, hein, Trail prend tous les mobs, on attend qu'il ait un peu l'aggro et on va sur le nid pendant ce temps-là. On touche pas au mob, hein, le nid. Ah, on a un petit copain qui est arrivé, Damien, tu l'as récupéré. Non, je l'ai pas. Je pense qu'il va être sur loup. C'est bon, ok, et là maintenant on va bourrer en AO. Lui, il a un peu décalé. Pareil, on laisse tout. Ah non, j'ai rien dit, excusez-moi. Je pensais que Trail avait pris le. Go le petit mob et ensuite le fantôme. J'aime bien donner les bonnes habitudes aux gens. Il y a un petit mob d'ailleurs, Damien, si tu le récupes, qui est sur l'eau actuellement, qui est en bas à gauche. Ah oui, ah oui, mais il est sur les escaliers, il joue là. Ah, mais je le voyais pas taper. Il envoie son caca en fait. Il envoie son caca depuis en bas. Oh putain! Ah bah d'accord! Oh la vache! J'ai le mob. C'est quoi ça? Les fantômes explosent quand ils meurent. J'ai oublié. Oh, mais t'es mort où là? On te voit pas. C'est ça. On revient au début hein, quand on meurt, hein, pour la blague. Ah moi je suis tombé dans le vide, je pense que Myrturza c'est pareil, hein, t'as poussé dans le vide. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, je sais pas si c'est toi ou ta femme qui avait fait le maquillage, mais franchement, GG, il m'a fallu trois visionnages pour comprendre comment vous aviez foutu le truc.
et comprendre que c'est une languette, mais très très beau maquillage d'Halloween. Hein. Bien joué, bien joué, bien joué. Non, on parlait avec Trail, il nous a fallu justifier. Ah, toi aussi, il est ton maquillage, c'est ça. Faut vraiment s'y reprendre à 2-3 regards en fait pour comprendre comment c'est foutu. C'est à quel point c'est bien foutu. Quoi. Pour du truc amateur, GG. Voilà, attends, suis-moi Myrtursa, logiquement. Oh. Ils vont arriver. Ah, attends, ils ont peut-être besoin de nous. Oh. Ils ont ouvert ou pas encore? Ah non, c'est bon. Coucou! Absolument pas besoin de nous. Je savais plus s'il y avait un gros mob ou pas, mais ça va. Il y a juste le coffre à prendre là. Ça, on veut, on a presque un raccourci là, c'est bien. T'as encore eu un bleu, Damien, je suppose, non? C'est bon? Ah, j'en ai. Oh. C'est pas une blague. Donc là, ne faites pas comme moi, ne traversez pas le pont qu'on leur a activé. Il faut quelqu'un en bas à gauche. Il va y avoir des mobs, donc une fois que les mobs sont là, on remonte et on suit le tank. On aura un gros lard et un fantôme, on commence par le fantôme. Ma femme qui gère ça, elle fait beaucoup de cosplay, et mec... Bah écoute, bravo à elle, parce que c'était une belle réussite. Hein. Et au Chaos Totem, je vais streamer pendant Black Friday, et je vais streamer les bonnes affaires. Donc... Tu sais où être quand ça sera là. Parce que je vais moi-même m'acheter une télé pendant le Black Friday, voire deux, plusieurs pièces. Donc, voilà. Donc là, ça arrive, hein. Les bombes me suivent. Ok, go le fantôme, on laisse try sur le gros lard. J'ai des petits bugs visuels, moi, avec des gens qui steppaient un peu, je pense que si vous aussi. Moi, j'ai les mobs qui steppaient. Ouais, c'était les mobs, en fait. Donc le fantôme, hein. Ah, ouais. Ah, il s'était passé où? J'étais là, je me suis pris les AE au cac du roulard. J'étais mal placé. J'étais pas assez derrière lui, plus trop sur les flancs et pas assez derrière. Attaque lourde, oubliez. J'avais pas trop d'espace pour sortir. Oubliez pas, hein, attaque lourde. On attaque d'abord sa barre. En fait, en attaquant sa barre d'endure, on attaque aussi sa barre de vie. Hein. Voilà, et la burst. Oh, les crits qui s'enchaînent. Oh, c'est tellement bon. Une tuyau dans chaque pièce, comme les nouveaux riches là qu'on avait vu Nat du truc de l'œuf là. Par contre, j'ai vu un monstre, oui, oui. Ah, je t'envoie, je regarde ça après. Par contre, grand dieu! Ah, je suis que niveau 21 moi, ça fait pour le coup une diff non négligeable. Ok, on switch sur le team mob. On est sur la fond, je me colle le cac. Le poison est gentil, hein. Le vert c'est le gentil, c'est notre art, c'est notre archer, je précise. Ok. Ouais, je précise ce que je me dis, moi au début ça me faisait peur. C'est moins grand, j'en sortais aussi. Hein. Oh, l'explosion. Regarde, oh, trois bleus. Oh putain. Ah bah tu vois. Trois bleus d'un coup, bordel. Ah loup. Beaucoup de pensées pour toi, un magnifique bâton de heal. Ah, je... et ça s'échange pas ça, non? Ah non, c'est du LQR là, lié quand ramassé. Est-ce que des gens dans le groupe et dans le chat ne connaissent pas la différence LQR et LQE? Oubliez pas attaque lourde sur lui, hein. Dans le cul, attaque lourde. Il y a pas de tissu que... De toute façon, de la distance, les armes de LQR. Alors, ça, je pense, c'est pour ça que moi j'aime bien par exemple tanker avec la hachette. Ouais, ouais. J'utilise la hachette pour tanker. Et Mais les vélos sont stylés. Oui, je suis d'accord, je reconnais pas. Alors, LQR veut dire lié quand ramasser acquise. En gros, tu obtiens un loot que tu ne pourras en aucune manière partager. Un LQE, lié quand équipé, il ne t'est pas lié. Tu peux donc le mettre au tel de vente, le filer à tes copains, en faire ce que tu veux. Mais à partir du moment où il est équipé par toi ou une autre personne, il sera lié à la personne à laquelle il a été équipé. Les loots de grande qualité dans les donjons sont généralement LQR. C'est le but là. Magnifique Pollux. So far, so beautiful. Aujourd'hui, ça a été un plaisir. En vrai, j'ai eu peut-être 2-3 questions bêtes, mais rien de méchant. Les gens. Voilà, c'était juste des questions un peu bébêtes, mais vraiment, ça a été le pire. Donc, c'est un plaisir. Le tank doit-il aussi faire les attaques lourdes ou c'est juste ses DPS? Ça dépend de ton build. Si tu peux, effectivement, c'est jamais mal. Je sais qu'en tant que moi, je le faisais. En fait, par exemple, à l'épée longue, tu as différents buffs. L'épée longue, excuse-moi. À l'épée bouclier, tu as par exemple des buffs d'enforcement à choper à l'attaque lourde. Donc ça peut être intéressant.
à voir en fait où tu te situes côté point de vie, parce que bah, faire les attaques lourdes en tant que tank, ça prend du temps. Et résultat, ça peut te... L'attaque lourde d'ailleurs, ça peut te mettre en péril. Résultat, ça dépend vraiment. Ça dépend comment le tank va... Le sang à ce moment-là. J'ai le temps de faire attaque lourde. Tu as pris le buff de renforcement de 30% ou pas? À l'épée bouclier. C'est sur l'arbre de gauche, en fait, si une attaque lourde te file pendant 5 secondes, 30% de dégâts en plus, ce qui est énorme. Ah non, ça je l'ai pas pris. Ok. Il y a un petit... Hop là. On vous laisse lire, hein. Personne pose le cierge. On va aller chercher de toute façon les mobs d'abord de gauche et droite. Avant de... Ah bah voilà, il y a Trike à... Là il a une bonne aggro je pense là. Je peux même le tuer tout seul. Hein. Non, non, il fallait que je vienne pour le premier truc. Hello, pourquoi autant de gens reviennent sur New World? Point d'exclamation. Putain, ça va être quoi au final? Parce que Fresh a changé. Mais c'est où là? J'étais en train de lire et tout le monde a disparu. Bon, on voulait tuer. Point d'exclamation mage, genre de Sion. Et tu regardes la dernière vidéo en fait qui est Fresh. Ah d'accord. Ouais. Va d'où on vient, il y a un coffre. Ok. En gros, il y a les Fresh Start Server, genre Sion. Il y a un coffre ici. Vous avez ouvert une compagnie. Pas encore, mais bientôt. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux journaux. C'est pas une impression, il y a factuellement des nouveaux journaux, notamment ceux qui sont doublés, font partie de la quête principale, et ce sont des journaux majorité complètement nouveaux. Ah, vous avez été à le gros lard aussi là? Ok. Il n'y a pas de gros lard, il y a pas de gros. Ah oui, non, gros lard, excusez-moi. Petit spoil. On voit techniquement sa barre de vie. Hein. C'est tout. Ok, donc la boss, on laisse bien quelques secondes à trail pour prendre l'aggro. Bonne nouvelle, c'est que notre tank est le plus haut niveau, donc c'est mieux. Mais personne ne tape, rien du tout, on attend. Et dès que vous voyez en fait mettre 3-4 coups, là vous y allez. La seule strat réelle, on esquive il y a des vagues de fantômes qu'il faut esquiver. Et quand vous avez une AO autour de vous, vous restez dedans, ce n'est pas une blague. En sortir, voilà, ça vous restez dedans, parce qu'en sortir en fait vous stunnera. Trite, on était okay. Chaud. Oh putain. Comme ça, on reste... Bah non, tu vois, ça nous astonne, Damien. Bah oui, t'es sorti. Ah, je suis pas sorti, hein. Ah, je t'ai vu toucher le port, en fait. Ah, peut-être, j'ai mal vu, alors. Attends. Je recheck à la prochaine. Donc là, logiquement, si Mirzua, il ne bouge pas, Mirzua, il bouge pas, il devrait pas être stun. Bon, par contre, il se fait éclater les fantômes. Par les fantômes, par contre, mais bon. J'arrive. Ah bah ça c'est ça. Ouais, le problème c'est qu'il faut qu'on en bouge, mais on se fait stun quoi, ça te soucie. Hein. Ouais. Mais si on reste, on se fait éclater par les fantômes. Donc c'est compliqué cette histoire. Je sais pas si je peux revenir sur lui. Voilà. Oh je me suis fait stun, attends. Ah mais t'es mort deux fois. Je suis mort une fois mais je suis pas enfin. Je n'ai pas eu de pierre de... Faut retourner à l'eau cristal pour récupérer ta... C'est moi, je peux revenir. Pour récupérer ta vie, ta mort. Voilà. Donc sur lui, on peut revenir. Ok, c'est que le vrai boss de fin, parce qu'on peut pas revenir. Donc faut rester là. Bah en théorie, si tu restes au milieu, tu te fais pas stun. Mais tu te prends les fantômes, donc... Après, il s'évite, hein. Oui. Ah oh, putain. J'ai le loot est sorti. Eh bien, elle m'a stun aussi sur le chemin. Ah mais je venais que me coller autant, c'est peut-être pas la chose la plus smart à faire en fait, c'est pour ça aussi, j'ai bougé là. Ah putain. Y'a pas de risque au kiag. Ah Pedro. Oh là. Ah ouais, ça t'attaque quand t'es collé à lui, qu'il la lance. Mais faut que tu t'écartes. Ah oui mais je suis 21, moi je me fais tout shot mec. Bah non mais faut que tu t'écartes, t'es en temps zéro. Oui mais le temps que je l'ai vu j'étais en combo, j'ai un triple combo monsieur, je te rappelle, tu le connais en plus. Ah hein. Bah ouais je le connais. Bah je suis dans les airs, je suis tristesse quoi. Ah bah c'est bête hein. Ah oui c'est très bête mec. Je suis un peu tristesse oui. Putain. Bon bah je supprime le vert en fait hein, full bleu hein, trop facile ce jeu. Je suis un peu nul en plus. En plus, je suis nul, donc ça aide pas, tu vois. Il y a plein d'handicaps présents, d'urdir. Aïe, aïe, aïe. Je suis niveau 17 et le début
c'est du plaisir le début. Il est très bon. Après, tu connais quand même bien le jeu, toi, Pollux. Hein. Mais oui, je lis sur le chat in-game que la juée est maintenant globale pour les villes factuelles, ça. Oui. La juée est globale et les rangements sont relativement globaux. Je m'explique. En gros, les rangements ne sont pas liés, mais tu peux transférer gratuitement d'un rangement à un autre. Depuis un seul rangement. Donc c'est comme s'ils étaient globaux. Lourde, hein, oubliez pas. Voilà. En plus, ce son est tellement satisfaisant quand ils sont stun. T'as pu venir sur notre serveur ce temps ? Sur Galad ? Tu penses que ça va beaucoup impacter l'économie du jeu comparé à avant ? Alors oui et non. L'économie elle est saine aujourd'hui. Donc même avec ça, ça changera rien. C'est juste que... En gros, les choses aujourd'hui, contrairement à l'époque, ont une valeur. Le souci, c'est qu'à l'époque, avec tous les bugs qu'il y avait, on ne pouvait pas se faire une idée de la... Genre, il y a des cuirs qui valaient 0,01 centime. Ce n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Il y a une taxe de transport entre les banques des différentes factions, apparemment. Ah, peut-être, je sais plus, ça, tu me fais louper. Hein. C'est possible, ouais. Peut-être, je sais plus du tout. Je t'avoue qu'on on avait beaucoup de zones qui étaient dominées par l'ombre sur Nissa. Résultat, j'ai jamais eu trop à me poser la question. Oui, mais maintenant, on s'en fout. Les TP en azote, ils sont... Pardon ? Et maintenant, la taxe de transport, on s'en fout. TP en azote, c'est quasiment gratos. Oui, c'est ça. Avant, c'était... Et c'est cher, hein. La taxe, elle est chère. Bon alors là, Lou, tu vas pour montrer que tu es une bonne huileuse. Ok. Il fait mal. Après, l'avantage, c'est que ton tank est 31. Ça va énormément t'aider, crois-moi. Moi, tout à l'heure, j'étais niveau 20. C'était compliqué. Et tu n'étais pas tank. Et j'étais pas en temps. En plus, je pouvais même pas regarder la grosse. C'était l'enfer. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'en refais une sautante, t'inquiète pas. Oui, tu seras le bienvenu. Donc, comme tout à l'heure, on va faire le même strat, par contre, pour le coup. On laisse bien Trial prendre l'aggro. Nous, on attend les premiers mobs. Dès qu'ils sont là, on leur lamine la gueule et ensuite, on switch sur le boss et là, on pourra le pourrir. Parce que Trial, en fait, il va devoir beaucoup esquiver, donc il n'aura pas beaucoup de temps de taper. Donc, son aggro, même avec son niveau, sera peut-être pas si haut que ça. Damien, à toi de jouer. Donc, attendez bien avant de taper. Hein. Là, on regarde le boss, on ne fait rien, on ne le tape pas directement. On ne tape pas en fait tant qu'il n'y a pas les ZAD et c'est les ZAD qu'on tapera quand ils seront là. En attendant, on admire. Il est rendu justifié en tout cas. Ouais, donc là, il y a Trial qui va prendre l'aggro. Nous, on regarde faire. Hein. Là, c'est un combat pour l'instant pour Lou et pour Trial. Et les ZAD sont là, c'est parti. Let's go donc sur les ZAD, les gars. Il y a Trial qui a fait un taunt de zone. Attention à pas vous prendre comme moi d'AOE. Et le vomi aussi fait mal. Ok, c'est parti pour le boss. Il fait mal, hein, le boss. Il fait mal, hein. T'es 31, je te l'imagine. Ouais, ouais. Ah oh là là, non, c'est bon, cher. Oh, what? Vas-y. Oh, mais quelle arnaque, putain. Coucou Isoka, ah, oh, je suis deg. Je vais crever aussi, je pense. Ah, j'ai pris un coup de d'enfoiré. Je n'ai pas d'endu, j'ai pas de vie. T'as pas de popo? Ad, go switcher sur les ZAD. Ouais, si, j'ai des popos. Ah, je donne tout, hein, mais là... Ah non, mais c'est pas toi, hein. Les ZAD, les gars. Ceux qui ont, par contre, l'aggro des ZAD, Kaité, parce qu'ils ont mangé le vomi. Hein. Quand ils mangent le vomi, ils sont buff. Oh là. Ok. Il y en a encore ou pas? Damien, t'as les dates sur la gueule? Ah, il y en a un petit. Putain. Moi, je flippe, hein, parce que un cleave et c'est quasi one shot pour l'instant. Donc, je suis pas à l'aise non plus, je t'avoue. Oh, je te fais laminer, bordel. Ouais, ouais, je prends. Mais ça tient, hein! Oh, putain de ta soeur, la communiste! Ah, je suis trop bien. Bien joué, Lou. Tu rocks. Ça le fait. On a les ZAD qui arrivent, on switch. Oh putain, non. Je cours pour ma part. T'inquiète. Occupe-toi de trial, pire moi j'ai la potion en 10 secondes. Gère trial, pas de soucis. Je suis en CD, la taille de zone. Allez la popo. Ok, c'est reparti.
Ah mais il a vomi. Putain, je le voyais pas par terre. Le heal, il va faire plaisir là. Aïe, aïe. Attention, t'as le vomito, hein. Ah putain, je suis un connard avec cette attaque. Il arrive au sol dans 10 secondes. J'arrive à Ice. Je me tiens, je me tiens. On focus le boss, hein. Même s'il y a des ads, on focus le boss. Full focus du boss, vous avez des ads. Allez, GG. Bah lui, je préfère le tanker à l'esquive. Hein. Ah, c'est magnifique le docteur. C'est magnifique et plus encore. Salut Isoka, salut docteur. Bonsoir à vous deux. GG tout le monde. Bravo, bravo, c'était clean. Oh, je n'ai plus de potion de mana. Tu m'étonnes. C'est normal. Tout est normal. N'oubliez pas le coffre de fin avant de vous TP. Hein. Yes. C'est magnifique, le docteur. Vraiment, tout fonctionne à merveille. C'est très, très bon. Ah bah, tu peux, ce docteur. Mais moi, ça sera l'ombre, évidemment. Après, tu vis ta vie. Hein. Attends, on a déjà des gènes T5, sans déconner. What the fuck. Ok, bah écoutez, GG, bravo, bravo Miturza, bravo Pedro et bravo moi-même pour le DPS, bon, j'ai pas été fou, ouais. Et GG Lou pour le heal, hein, ça s'est bien passé. Hein. Ouais, j'ai merci. Gégé. Bah en vrai, je pense que Trail, vu que c'était 31, ça a vachement aidé. Hein. Je pense que ça, si ça avait été Ice en tant que... Je suis pas sûr que... Non mais après, vous dites pas que j'ai jamais tanké sur New World et c'est très différent des autres jeux. Donc... ça, c'est le cas de le dire. C'est ça le coffre, on est d'accord, hein. Je me suis le TP. Ouais, ok, c'est bon. À gauche du TP, ouais. J'ai pas pu faire gaffe.